découvert le réseau Twiza en 2019 et j'ai commencé à faire des chantiers participatifs pour découvrir des constructions différentes. J'ai réalisé une quinzaine de chantiers participatifs l'an dernier. En rentrant de cette aventure-là, j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière, tout ce que ça pouvait apporter. Le réseau Twiza, il a été créé en 2014, d'abord uniquement pour les chantiers participatifs écologiques. Très rapidement, c'est devenu tout un écosystème avec plein d'acteurs et plein de profils différents qui se reconnaissent dans un système de valeurs quand même assez particulier. Au sein du réseau Twiza, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire mûrir un projet personnel ou un projet professionnel en rencontrant du monde qui est déjà passé par là ou du monde qui partage les mêmes problématiques. Ça permet de sécuriser son projet, ça permet de mieux comprendre ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on peut, ce qu'on peut pas, et de progresser, de cheminer comme ça dans sa transition personnelle ou dans sa transition professionnelle. C'est un partage, on va apprendre des techniques, on va utiliser ses mains, travailler avec la terre, partager nos connaissances avec les autres bénévoles. Ça m'a permis de comprendre l'état actuel du monde de l'habitat et de la construction en termes de dépenses d'énergie. Je vois que je ne suis pas tout seul à faire une démarche. Ça me fait comprendre que c'est possible aussi, c'est possible d'agir. Ça m'amène du concret. On a des gens qui sont des porteurs de projets, très en amont, au stade du rêve, mais aussi des gens qui sont vraiment dans la réalisation de leurs projets, au chantier. C'est rare de trouver des personnes qui partagent notre goût du bâtiment, notre éthique du bâtiment, nos valeurs du bâtiment. Et Twiza combine un petit peu tout ça en amenant tous les corps de métier et toutes les différentes structures de cette organisation. Il y a un échange de savoir, c'est vraiment ce qui me plaît chez Twiza, c'est qu'il y a cet échange convivial et intense. Quoi. Je peux vous assurer qu'on peut être heureux en aidant d'autres personnes bénévolement pour construire quelque chose de nouveau et donner de l'espoir. Et c'est vraiment très, très chouette. Aujourd'hui, la réponse elle est claire, c'est que oui, je ne sais pas même pourquoi je n'ai pas adhéré avant, parce qu'il y a trop de sens entre ce que fait Twiza et ce que je veux faire. Vous ne savez pas utiliser une visseuse, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous apprendre à le faire et ça aidera toujours quelqu'un. C'est vraiment toute une communauté de personnes super engagées, super bienveillantes et qui répondent à toutes les questions qu'on peut se poser. Je pense que vous avez quelque chose à nous apporter, on a quelque chose à vous apporter, enfin, c'est ce qui fait le réseau, donc venez comme vous voulez.